C'est des liens très forts, très anciens. On coopère depuis longtemps dans le cadre de ce qu'on appelle l'Eurorégion, avec la Catalogne et les Baléares aussi d'ailleurs, mais très fortement avec la Catalogne. La présidente Carole Delga d'ailleurs était ici encore récemment. On a renouvelé des accords transfrontaliers aussi sur beaucoup de sujets, transition énergétique, transport, les questions portuaires, maritimes, l'avenir de la Méditerranée aussi. Bref, voilà, de toute façon, nous sommes des Méditerranéens, liés aussi par les Pyrénées. Bref, il y a quantité de sujets qui nous lient. Et donc notre présence ici aujourd'hui était naturelle. On a été invités, on est venus naturellement parce qu'avec Barcelone, voilà, on a des liens aussi très forts avec la ville elle-même et le port aussi. Nos ports, le port de Sète par exemple, que je représente ici aussi, a des liens avec cet immense port européen et mondial même. Hein. La France est très très importante d'abord. D'abord aussi le port de Barcelone par la France, pour la France, disons. Parce que on croit que notre point de vue, on voit qu'on peut offrir une offre logistique fiable et durable aux entreprises et aux transitaires français. De l'autre côté, le port de Barcelone voudrait être plus proche à la France parce qu'on croit que c'est une manière d'accomplir notre mission, que c'est de faire accroître notre arrière-pays. Et notre arrière-pays, c'est la Catalogne, c'est la France, c'est part de l'Espagne, mais aussi c'est la sud de la France. Alors, Maersk avait identifié depuis déjà quelques temps qu'il y avait une pertinence à relier Barcelone avec deux grands pôles économiques du sud de la France, Toulouse d'une part et Lyon d'autre part. Il y a deux grands piliers chez Maersk, c'est l'intégration, d'être un intégrateur logistique, donc être en mesure de proposer aux clients tous les modes de transport en ayant une bonne maîtrise de ce mode de transport. Donc, les navires évidemment, le ferroviaire, le routier, l'aérien également. Et d'autre part, il y a un autre grand pilier qui est la décarbonation. Et donc là, évidemment, le ferroviaire, c'est un des meilleurs moyens pour décarboner la logistique terrestre. Par ailleurs, Maersk a des services maritimes très développés au départ de Barcelone. Hein, c'est un port très important pour Maersk, avec des connexions directes sur un grand nombre de ports dans le monde, notamment l'Asie, l'Extrême-Orient. Et donc, c'est aussi un moyen de proposer une offre très performante pour la moitié sud de la France. Reneuve est une jeune entreprise. Hein. On a 4 ans d'activité. On embouteille de l'eau minérale naturelle. Maintenant, on fait beaucoup de ferroutage en national. Et maintenant qu'on commence à se développer vers l'international, avec des clients aux États-Unis, en Asie, au Moyen-Orient, le port de Barcelone était, c'est évident, une solution toute trouvée pour nous. Puisque c'est le port le plus proche, moins de 2 heures de l'usine, puisqu'on est en Haute-Ariège. Et donc ça nous permet justement de travailler encore sur l'aspect écologique et éco-responsable dans nos transports vers nos clients étrangers. Il faut sans doute réfléchir aussi à des solutions méditerranéennes, voilà, et à l'échelle de l'Ouest méditerranéenne. Voilà, donc c'est toute la façade méditerranéenne de l'Espagne, et puis c'est toute la façade méditerranéenne française. Donc il ne faut pas diviser la côte méditerranéenne entre les régions. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs, avec le président Muselier de la région Sud PACA, on travaille aussi en étroite collaboration.